accugol yarugol di mana kono newanaki de accugol golleji bondi go ko do wono gollude di mana tawa tahrawana e lewru sumaye dum si lewru sumaye den ari di mana dum non newanaki de accugol dum non ha wono wiide wono fenande e ñore yani e waddidirgol kanyuma heda gol music e goran den danangal golleji bondi di haray immorde kure kanyuma di mana e kongol haray ɓeɗo salafu sali ɓeɗo moƴƴuɓe yewtuɓe ɓe taski kaɗo korka ɓe wi kamɓe ɓe wi ko ɓuuri newade e horugol nduɗo lewru sumaye fo ɓe maki ko ɓuuri newade e kaɗo korka yani ko accugol ñamugol kañuma e accugol yarugol ko ɗum ɗon ɓuuri newade kamɓe ɓe konta ɗum ɗo ko goɗɗum hakke ma ko ɓe taskiti kaɗo korka ɓe maki wondema haray ko honɗum ɓuuri sattude yani ko rentagol e piiji yani ɗimana bonne ɗi kaɗo korka won noon ɓeɗo asolafu sali ɓeɗo yewtue moƴƴe ɓe latinoke si ɓe horino ɓe inna yani mañin ka julirde ɗimana renen korka men kan yani hara en ño'ali hay e goto yani hiɓe yahayno ka julirde ɗimana yani ɓe jenga qur'an ɓe jento inde allahu subahanahu wa taala ɗimana saabu ha hara ɓe wawali ñowde goɗɗo haray on oɗo neɗɗo julɗo hino haranimo hulugol allahu subahanahu wa taala yani o mawnina allahu subahanahu wa taala e nder ɗuɗo lewru sumaye o anda wondema allahu subahanahu wa taala hino ƴelliti e dow makko ɗimana allah no renimo kala ko o woni e laaliji ɗin fof ɗimana o rento e dendanagal ko bonnata kaɗo korka makko o rento kadi ko ɓuytata kaɗo korka makko saabu hon ɗum saabu ha korka makko ko wona korka selluka ɗimana waɗi noon ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki wondema man lam yada qawla zur wa sahadata zur man lam yada qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu akhrajahu al bukhari ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki ne wondema kala neɗɗo mo accali wowlugol fenande ma gollitirgol fenande yani wowlugol fenande ma gollitirgol fenande ɓe maki haray allahu subhanahu wa taala haajaka e on ɗon neɗɗo e konko accata ñamugol ma o accata yarugol ɗimana en andi korka kan wona accugol ñamugol kañuma e accugol yarugol wona ɗum ɗon tum woni ko fanda e kaɗo korka ko waɗi noon en andi allahu subhanahu wa taala sayi neɗɗo horuɗon o rentaki e koko yewtuɗen ɗo wono ñoore e baddi e fenade e ko nandi e ɗum ɗo heɗagol musique e ko nan e kala ko harni kon yani kala ko bonnata korka kon si o rentaki e ɗum ɗo haray allahu subhanahu wa taala haajaka e kaɗo korka makko no abaw ere o maki wondema e hadis o maki wondema haray oɗo neɗɗo yani himo imo e nder dewal oɗo neɗɗo yani himo e nder dewal fanni ma o ño'ali oɗo neɗɗo juɗɗo ɗimana maɗum o lorralimo haray ndeɗo ñoore hino ɗimana ko hunde ɗimana hulɓinide yani hunde wondude e bakkatu ɗimana yani ndeɗo ñoore haysi wonaka suumaye ɗo ñoore nden no harmi ko waɗi noon allahu subahana taala dalika guranare makko wondema sey woni hiɗen yiɗi ɗimana yani an neɗɗo wonɗo ñowude o siɗa yiɗi nde ñamata tewu musiɗɗo ma ɓe maki siɗa yiɗi nde ñamata tewu musiɗɗo ma on tawa hara o maayi haray ɓe maki tigi tigi on haray goto me yiiɗa ɗum ɗo haray koye andu an oɗo neɗɗo sayi woni a ñoƴi tun siɗɗo ma on no wawi sa ñami tewu makko haray iɗen hani rentade e ɗum ɗo iɗen hani rentade e dendanagal ko bonnata kaɗo korka haray no jeeya e sunnaji ko waɗi ko watte kaɗo korka kono ɓay tan men on aray leero nangi hen ɗo oɗo saha men on haray ko haɗo ɓe jonni men haray ɓe wawi darade ɗo haray piiji boyka lewru suumaye ɗo no jeeya ko ɓeydata baraji kono janngugol nde alqouranare kono noon saha baɓɓen ɓe wondema haray ɓeɗo yewtu e muɓɓe wima nduɗo lewru suumaye ko lewru alqouran an oɗo neɗɗo ɗa hani ƴettugol nde alqouranare waɗa programme e nder lewru suumaye ndum jangga alqouranare nde mbiru ha ka wawɗa ɗon on tumati si a hatti ka wawɗa ɗon siɗa wawi janggude fof janga fof amma si a wawata fof janga ha ka wawɗa ɗum fuɗɗitoɗa kadi ha lewru sumaye ndu maya hino jeeya e mum kadi ɓimana ittugol sadaka wonnoon ne laa sala sallam maki wondema ko ɓuuri moƴƴude sadakaji ɗin fof ko sadaka ittaɗo ko nder lewru sumaye ɗo ɓimana hino jeeya kadi e moƴƴereji ɗi wonɗi ka nder lewru sumaye ɗo ɓimana huntingol neɗɗo horuɗo an oɗo neɗɗo horuɗo ɓimana si a huntini goɗɗo ko horuɗo haray allahu subhanahu wa taala okkete baraji ɗimana yeru ko neɗɗo horuɗo mo huntiɗa on mari kon hara baraji mo huntinɗa on ɓuytaka haray ɗum ɗo ko moƴƴere molanande si a huntini neɗɗo horuɗo ɗimana allahu subhanahu wa taala okkude baraji yeru ko neɗɗo mo huntinɗa on mari kon okkude ɗin ɗon baraji
aray dum do ko moddere molanaade aray piji bu yino wodi ko watti do ko no inshallah bayde wondi gay karmo ko men den alaji yusuf no ga e karmo ko men goora inshallah be betena en biru o ko heddi aray ko sedani e nyaawoje korka den aray inshallah kala ko afa mari da wawi landitaade aray allah subhanahu wa taala nemi ni en karmo ko be aray ka wonden do wona be do imam men den do aray kala ko en faamaali aray inshallah gibido ha e der lewru suuma enu aray hiden wawi noddude be landitobe fi nyaawore ka do korka sabu ha wawa horde ni o lewru sumaye bimana heɓa baraji ɗi allahu subhanahu wa taala fodi e yimɓe horuɓe ɓen bimana allahu subahana taala jeeyaɗa e ɓen ɓe allah yi wondema haray o rinɗinayi daaɗe yimɓe bimana tawa ko natanoɓe yiite allahu subahana taala rinɗina daaɗe mabɓe ɗen o naadade aljanna saabu ɗuɗo lewru sumaye yo allah subahana taala hokku en kadi e baraji koko wiyete heɓugol ngal ɗo ñalal wiyetega laylatul qadre aray kala ko nan ɗon ka yewtere ɗo bimana ko tawi bimana aray ellano e mum bimana haray ko immorde am mi yewtuɗon aray tawi kala ko nanɗon tawi wona gonga no wopodiri e sari on e ko allah subahana taala daali ko ma ko niraɗo sa ah sallam maki on haray koye immorde am mi woɗuɗo on kala ko ton nanɗon ɗo tawi ino bimana ino yewodiri e gonga on haray ko immorde allahu subahanahu wa taala immorde niraɗo meɗe muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour résumer ce qu'on vient de dire aujourd'hui dans l'exposé, le père Antoine d'abord a fait, on le fera ensemble là, vous et moi, il a d'abord fait la définition, il a donné la définition technique, la définition d'abord littéraire et technique du Siyam, du Ramadan. Deuxièmement, il a donné aussi quel est le hikma, donc le jugement, la philosophie du Ramadan, c'est l'Allakum Tattakoun. C'est le taqwa, c'est pour avoir la crainte, la crainte pieuse de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ressorti les récompenses. Rappelez-vous de cette porte du paradis, par laquelle ne rentrent que ceux qui sont les sa'im, les jeûneurs. Je sais que sorti cela. Il a rappelé aussi les actions qui annulent vraiment le ramadan. Dans l'annulation, on a vu qu'il y a des actions qui annulent la journée, mais on peut rembourser la journée. Il y a d'autres actions qui sont encore très graves, qui sont pires. Sur les actions qui sont faites avec intention vraiment là, quoi. Qui sont graves quoi. Celles-là, il faut non seulement rembourser, mais encore faire ce qu'on appelle le kafara quoi. C'est-à-dire l'expiation quoi. Après cela, il a rappelé que les bienfaits aussi là, du ramadan, il y a l'être cadre. Et il a dit aussi que c'est durant le ramadan que le Coran est descendu. Et donc c'est le mois du Coran. Ceux à qui Allah a donné la possibilité, la santé, peuvent Inch'Allah, se mettre à l'étude du Coran pour pouvoir le lire le plus possible. Quoi. Et il a rappelé aussi que c'est durant ce mois-là, comme a dit le prophète, qu'il faut faire le plus de bienfaisance. Quoi. Parce que les bienfaisances durant le ramadan sont carrément multipliées. Donc, j'exhorte tout le monde d'abord. D'abord, je m'exhorte moi-même. J'exhorte tout le monde de commencer durant le ramadan, de faire carrément les bienfaisances et ne pas oublier aussi le kafara. Pour conclure, le mois de ramadan est divisé en trois parties. La première partie d'abord, c'est carrément le. Il y a une partie qui est le rahma, il y a une partie qui est carrément l'expiation des péchés, le pardon des péchés, il y a l'autre partie carrément, c'est l'entrée au paradis. Donc voyez le mérite du ramadan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va maintenant passer aux questions, à la période des questions. Non, je vais quand même donner d'abord la parole à cher Fofana. S'il a une contribution à faire, Inch'Allah, je sais qu'il en a beaucoup, et que probablement qu'il pourra se résumer dans la parole. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Vraiment, c'était bien fait. Seulement se remercier tous ceux qui ont contribué pour l'organisation de cette conférence. Et je laisse vraiment notre imam continuer là-dessus, bien qu'on l'a fait. Donc, merci beaucoup. On va passer aux périodes de, Inch'Allah, aux périodes de questions-réponses. Quoi. Ok. Ok, d'accord. Alors, on a déjà eu une série de questions pour ceux qui viennent nous suivre. Si une personne jeûne jusqu'à 19h, par exemple, et elle voit ses règles, est-ce qu'il faut continuer le jeûne ou bien couper? Je pense qu'il a répondu à cette question-là. Si Debbo, Hori, Hafaïda, 19h, 7h, Futu, Nathanta, quoi. Par exemple, quoi. Ou Inon Faïda, Haïd Makon, quoi. Est-ce que
Arab yani ka leydi ni Allah subhanahu wa ta'ala ka wadiri ni laado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoyde Makkatul Mukarrama yani leydi burni leydi den fo arai bimana ka dina ka yani ka ka ni laado sallallahu alaihi wasallam ka binula don arai ko don woni ko be dudo yi arai inshallah ko no yotu ne den ka program arai timmingol yotere den arai ko jungo imam men o woni yabagol question jidin dum do fo ko jungo imam men o woni min do woji ko mi yaboto seeda kono ara mi goddo yottude do min mi mara yani mustawa fi jabal question ara man ni la jawab non non taw ara mi no mari defte didi mi mari deftere yani mi do andi seeda mari ka deftere ni anda ara mi madde do defte didi non ara min mi hota jabal question ara non be Allah do adani en be do be takko men do ara be do yani ko kambe jabanto en question didi ara inshallah dum non tudum barke maam fu assalamu alaykum rahmatullah. D'accord. Ce que nous propose Oustaz Aboubak, compte tenu du fait que, comme il a dit de manière modeste, il est limité dans sa connaissance. Donc, ça c'est un deuxième. Grâce à Dieu, nous avons notre imam aussi parmi nous. Donc, il considère qu'il préférait laisser la parole à Imam Fofana pour répondre, par exemple, aux questions qui sont posées. Et aussi, mashallah, quoi, à tous ceux qui pensent pouvoir avoir une bonne réponse, quoi. Donc, la première question, je rappelle encore, là, sur une jeune femme, sur une personne jeune, pardon, si une personne jeune, c'est même pas une femme, une personne jeune, fait le ramadan jusqu'à 19h, par exemple, et elle voit ses règles, alors là, c'est une femme. Si une femme jeune jusqu'à 19h, et elle voit ses règles, est-ce qu'il faudrait qu'elle continue ou bien couper le ramadan? Je pense que, comme on a dit là, c'est par modestie que notre frère s'est résisté. Sinon, vraiment, Alhamdoulilah, il a fait un bon exposé qui est complet, il a balayé vraiment tout ce que nous avons besoin sur le jeûne. Et je pense qu'il a répondu même toutes ces questions-là, mais pour éclaircir encore de plus dans ce sens. Sinon, vraiment, il a bien parlé et il a bien résumé aussi. C'est qu'il, comme il a dit au début qu'il y a des conditions pour le jeûne, cette condition fait que la femme ne doit pas être en règle. Si la femme voit ses règles, c'est que l'une des conditions du jeûne est manquante. Donc le jeûne devient carrément nul. Il est interdit, il est formellement interdit à une femme de jeûner en étant dans cet état-là. Donc même je pense que la question, il faut le reformuler encore. Il ne faut pas le attacher à une heure. On dira seulement si la femme voit ses règles avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil. Ne serait que une seconde. Ne serait que une minute. Ne serait que une minute carrément. C'est-à-dire, peu importe qu'elle ne coupe pas, la condition est manquante, le jeûne est nul. Donc c'est pas vraiment important qu'il a coupé ou il n'a pas coupé, c'est qu'il n'est plus dans le jeûne. Et il doit éventuellement payer ce jour-là après le ramadan. Là, tout d'accord. Salam alaikum rahmatullah. Alors, il y a une faille d'un hana, qui a été un peu de passer ma main, mais ma canine, il y a une question. Alors, il y a une question. Ara wono maaki doni somna jon sai woni o hori biden ayoti bimana nange kan mutu da don harange mutali e hay siko sego ni hiddi tay nange nge mutali sonna jom wi do regle makon ma dun sonna jom o jibini fewdo don ari yewti dum ka yewtere men do bimana haray bimana titi gi on ko makko kamponi karma ko be fotani wonde ma
haisi o tadjali bi mana haray kor kam boni sel lanta mo wurin ka kontina kor kam haray ko ni ma mo maaki. La question prochaine est la suivante. Est-ce que la femme enceinte est autorisée à ne pas jeûner si elle n'est pas capable de le faire? Nama debbo sowido. Est-ce qu'on debbo no wawi tadude si o wawata rewude ko? Cette question, ça revient souvent là, il faut vraiment le résumer, dans le sens que récemment, il y a une divergence entre eux qui disent. En tout cas, d'abord, il y a un principe très clair. Être enceinte ou allaiter n'est pas une justification de cesser de gêner ou de ne pas gêner. Non. C'est les conséquences.